on a placé notre campagne sous le signe de la protection, des protections, protection de notre économie, protection de notre identité, protection de notre santé. Et aujourd'hui, on a parlé beaucoup, effectivement, avec Michel, de la protection du patrimoine. Et quel endroit, finalement, mieux que Noyon pour pouvoir évoquer cette protection du patrimoine et finalement la protection de notre identité. Autour de moi, il y a tous les élus du secteur, Michel Guignot, évidemment, Audrey Avey, Mylène Trozinski, Nathalie Joran. Donc, désormais, j'allais dire, nous avons des problèmes de riches. Ça arrive même aux meilleurs. Enfin, avec Michel Guignot, on s'est souvent dit qu'on était les seuls à faire campagne, ce qu'on s'est dit aussi avec Audrey quand on traversait l'Oise. Aujourd'hui, on est les seuls à faire campagne, c'est-à-dire à développer des propositions pour la région. Monsieur Bertrand, il est parti, il est ailleurs, il veut être président de la République. La gauche étant mêlée dans ces histoires, ces tambouilles électorales, passe-moi le sel, je te donnerai le poivre, est-ce qu'on peut être numéro 2, 4, un PS, un vert, enfin, tout ça n'a aucun intérêt pour les habitants. Nous, on a une équipe, un programme, un bus que vous voyez aujourd'hui, qui nous permet de dire partout sur le territoire, il y a des élections en juin, saisissez cette chance à la fois de... Avec le même bulletin de vote, vous pouvez renvoyer Emmanuel Macron et Xavier Bertrand. C'est quand même extraordinaire.